ZZZF, Morsang, truand de la galère. J'suis trop ZZZF. Nique les commères et les commissaires. Ils ont pris 6 millions d'euros, ma gueule. Que de l'or, que du diable. 6 millions. Eh, 5 minutes, il leur a fallu. Mon pote, c'est la crise, hein, tu croyais pas? Les gens, ils ont faim, hein, mon pote. Eh, moi, bientôt, je vais faire pareil, t'inquiète pas. Ah, c'est la crise, nous aussi, de notre côté. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Toi et ton pote, vous braquez des merguez. Non, attends. C'est pas moi et mon pote. Comment ils braquent des merguez, ceux-là, là? C'est pas moi et mon pote, je vous explique. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est... Je vais vous raconter la vraie histoire. Faut pas mentir, faut dire la vérité, toi. Écoute bien. Il est rentré dans un centre commercial. Il a pété des merguez. Il est sorti, ça a sonné. La meuf a dit, excusez-moi, monsieur. Il est passé, ça a fait... C'est rien, madame, c'est mon téléphone. Ah, il est vraiment con, celui-là. Tu peux être content de les manger aussi. Ouais, bien, ils vont les manger aussi. Regarde-toi, tu ressembles à un bédo. Voilà, ah, c'est pas que tu loupes aussi. C'est pas que tu loupes, mon frère. Bref, en tout cas, moi, ce soir, je vais avoir un plan avec une bonne meuf. Et pourquoi j'ai pas besoin de vous. Voilà. Ce soir, je vais avoir une belle meuf. Voilà, pas comme toi. La grosse que t'as serrée. Mais ça fait 120 kilos, là. De merguez. Bravo. Là, je vais te laisser, là. T'es pas sérieux, Alpha, tu me laisses pas avec eux quand même. Non, oui, des débats, mon frère, des merguez qui sonnent, des mecs de 120 kilos, t'as vu. Vas-y, on se verra la prochaine, Chama. Prends son temps, fais attention. Alpha, reste avec nous, frère. Oui, salut les gars. C'est quand qu'on fait une soirée ensemble? Putain, toi, tu veux passer une soirée avec tout le monde, toi? Avec toi et Alpha, j'aimerais bien faire une soirée. Vous avez toujours des bons plans, vous m'emmenez jamais. Putain, une galère, ça. Voleur de merguez. Oui, il y a encore deux voitures qui ont brûlé dans la cité, donc là c'est vraiment plus gérable. C'est plus possible. J'entends. On fait ça, ok. Alors les PD, vous avez rien à faire à part inspecter des voitures brûlées là? Vous êtes en train de clasher vous deux? Ouais, qu'est-ce que tu parles, toi? Comme la grosse de 120 kilos t'a baisé dans la cave, là. Il est en train de me clasher. Mais tu dis pas, tu lui dis là. Pas, frérot. La grosse, elle a crevé son scooter. Ah ouais, t'as vu? Mais tu dis pas, frérot, que tu m'as appelé pour venir niquer dans la cave. Ça, c'est qui me l'a dit? Ça, c'est Moussa, il me l'a dit au quartier. Je l'ai ouais, mais il t'a pas appelé pour dire qu'il m'a appelé. Ouais, t'es à quelle cave? J'ai envie de niquer avec toi. Hé, hey, espèce de bolos, va. Hé, hey, les gars, ça sent les keufs. Où ouais, sont les keufs? Là-bas. S'en fout, on a rien fait. Ça sent la merde. Ça merde. Eh, hey, je vais me barrer. Barre-toi, mon pote, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, hein? Putain, il se barre. Mais reste avec nous. Ah, mais tu connais mon frère, je suis chargé. Tapette, il a peur des flics. Chargé, casse-toi, bolos. On a rien fait, reste assis, ouais, bourrico. Casse-toi, sale bolos, là. Ah ouais, ils arrivent. Bouffon. Ok. Bonjour. Bonjour, vérification des papiers, s'il vous plaît. Papier, s'il vous plaît. Pas de papier. On est là, tranquille, on est assis chez mon frère. On fait rien de mal, madame. C'est quoi le problème? Je te demande des papiers, tu me sors tes papiers, s'il te plaît. Moi, je parle pas avec les meufs, déjà. Je parle pas avec les meufs, déjà. Ne complique pas les choses. Je parle pas avec moi, t'es une meuf, tu parles pas avec moi. Voilà. Ça va prendre 2 minutes. Complique pas les choses. Cherche pas à savoir, je parle pas avec toi. Sors-moi tes papiers, s'il te plaît. Je parle pas avec toi, je t'ai dit que tu ne comprends pas le français ou quoi. Je parle pas avec toi. Je vais prendre l'ordre. Eh oh, tu me touches pas, je t'ai pas touché, tu me touches pas. Y'a pas de problème, je suis là, je suis français, y'a pas d'accord, de problème. D'accord. Je suis assis tranquillement dans un banc, qu'est-ce qui vous arrive là? Comme ça, viens, je t'en quelque chose. Ok, je viens, pas de problème. Non, c'est pas pour vous ça, c'est pour les méchants, vous êtes gentils. Ah ok, d'accord. Donc il faut se calmer, on va partir. Pourquoi vous venez nous faire chier? Il y a toujours des problèmes avec les autres. Toujours. Déjà, tu me touches pas. Si. Si tu voulez vous passer votre carte d'identité. Moi j'habite ici, c'est mon quartier ici. Ouais, on est, mais. Vous connaissez, vous me contrôlez. Ce matin. Ouais. J'arrête un petit peu toi. Pas cool, hein. Pas comme toi. Et t'es gentil. Ouais, alors. Tu sais ce que j'ai trouvé sur lui? Mais vas-y, je m'en fous, moi, ce que t'as trouvé sur lui. J'ai trouvé ça? Ouais, alors. Eh ben, alors on le retrouve dans ta poche. Ah ouais, mais si tu fais ça. C'est notre métier, c'est notre boulot, donc obligé de faire. Il marche ton extinct. Ouais, c'est pas pour vous l'extinct. C'est pour les méchants, vous êtes gentil, on vous connaît déjà. Donc s'il vous plaît, vous me passez votre carte d'identité, pas votre permis. C'est pas pour vous les menottes. Je suis par défaut, fini 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 par défa
Appetizer. Ça va les gars? Non, ça va pas. Ça va pas? Ouais, vous savez. Ah bah c'est clair que ça va pas. Ça fait 48 heures que vous me foutez le bordel dans les cellules, on vous entend jusqu'ici. Bah, c'est normal, on fait 48 heures de garde à vue, on n'a rien fait. Vous avez tapé vous croyez qu'on va rester en garde à vue en rigolant? Bah pas, on va faire la misère ici. Je vous connais bien, je vous connais depuis très longtemps. Ouais. Ok, vous êtes du quartier, vous m'avez mis 4 gars aujourd'hui. Il y en a 3 qui sont en ITT. C'est normal, on n'a rien fait du tout. Tu crois qu'on va faire une 48 heures de garde à vue? En plus, on n'a rien fait, mais c'est un truc de fou, c'est quoi ça? Contrôle de papier, vous avez juste à donner vos papiers, pourquoi ça finit en bagarre? Parce que votre collègue, c'est un menteur, il a dit qu'on avait du stupéfiant sur nous, c'est pas vrai. Il ment. Et il m'a cherché. J'ai 4 témoins. Parce que c'est des menteurs, ils sont tous menteurs dans vos collectifs là. C'est quoi ça? De quoi? Ils sont menteurs de rien du tout. Bon, bref, moi je m'en fous, qu'est-ce que je fais? Bref, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars. Ah ouais? Je commence par laquelle? Dis, on s'en bat les couilles, dis ce que t'as envie de dire. Eh ben on va commencer par la bonne alors. Je mets fin à votre garde à vue. Ah merci. D'accord, ça va aller mieux comme ça. Par contre, pour la mauvaise, c'est que vous êtes en comparution immédiate, on va vous emmener au tribunal, le juge va vous voir. Quoi? T'es pas. Vous êtes sérieux là? On va vous embarquer. Attends! Ah moi je vais pas voir la juge, j'ai rien à voir hein. Moi y'a pas de minique, vous me faites quoi là? Moi et mon frère, je vous ai dit, on a rien fait. On a rien à voir. Mais là, tu veux qu'on va. On va aller en prison, ça veut dire? On va y aller pour quelque chose. Allez au tribunal déjà. Bah, on verra si vous allez en prison, c'est pas moi qui décide. Ok, d'accord. Bon, au moins on va y aller pour quelque chose. Ah ouais. C'est un bon culé! Comme vous avez déjà été condamné à plusieurs reprises et que vous vous êtes inséré dans la société, le tribunal a décidé de vous acquitter sur les faits qui vous ont été reprochés. Monsieur Taïeb, en espérant ne plus vous revoir devant ce tribunal, car je ne serai pas aussi clémente la prochaine fois. Me suis bien fait comprendre? Merci, merci madame. Merci madame. Si, en plus, il ne me reste plus qu'une dent. Au moins comme ça, je ne pourrai pas manger la gamelle madame. Je vous remercie bien. Parfait, vous pouvez disposer. Oui, oui madame. Messieurs Meladji Youssef et Meladji Mohamed, vous êtes aujourd'hui devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate pour les faits qui vous sont reprochés. Outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Détention de stupéfiants. Agression sur argent assermenté entraînant une ITT de 17 jours. Qu'avez-vous à nous dire pour votre défense? La parole vous est donnée. Madame la juge, on est innocent. Voilà, j'étais avec mon frère tranquillement sur un banc. On était en train de discuter tranquillement. On n'a rien fait de mal. Et jusqu'à il y a des agents de police qui sont venus nous commencer à nous contrôler. J'étais en train de tranquillement discuter et ils nous ont agressé. Le monsieur qui est ici juste en face de vous m'a insulté de sale arabe. Il m'a dit que il m'a mis un bout de shit sur moi. Il m'a dit que comme il n'aime pas ma gueule d'arabe, ce fils de pute, il m'a mais dit ça. Mais vous êtes dans une cour. Un peu de respect s'il vous plaît. Madame, j'ai fait 2 jours de garde à vue. Taisez-vous s'il vous plaît. La parole est donnée à monsieur Meladji Youssef. Moi, tout ce que je peux dire, madame la juge, c'est qu'on est innocent. Vous avez un regard bien énervé, monsieur. Comment qu'on dit chez vous? Oui, c'est ça. Vous avez un regard bien zéref. Oh, ça va bien, ça. Taisez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Cédric Vincent, quelles sont vos requêtes dans cette affaire? Le tribunal vous donne la parole. Très simple, madame le juge. Je veux une réparation morale, je veux une réparation financière, et puis je récupère mes collègues. Comme vous voyez, on a eu des petits soucis. Il y a également que 2 ITT, ça fait lourd pour un commissariat. Voilà, faites. Comment en êtes-vous arrivé au point, en sachant que vous êtes quand même un fonctionnaire de l'État et que votre rôle est de montrer le bon exemple et avis, de faire régner l'ordre public? À votre avis, avec des gens comme ça, vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'ils vous donnent leur poignet comme ça, gentiment? Il y a une obstruction. Je ne vais pas laisser faire. Et tous ces crouilles là, de toute façon. Mais vous êtes insolent! Comment? Surveillez votre langage, vous êtes devant un tribunal! Par ailleurs, mes clients ne fument pas et ne boivent pas. Pour preuve, les analyses de détection de stupéfiants dans le sang. Analyse au résultat négatif. Objection, madame la juge. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, mais ils en font commerce sur la voie publique. Objection accordée. Merci, madame le juge.
Au vu des faits, la partie civile demande 2 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de messieurs Meladji Youssef et Meladji Mohamed. Écoutez, donc demain je vous appelle pour régler le litige qu'il y a avec votre collègue. Hein, on va faire comme ça. Donc la cour se retire pour délibérer. Mesdames, messieurs, la cour. Asseyez-vous. Alors, après délibération, et selon l'article 433, alinéa 5 du Code pénal, la Cour condamne M. Meladji Youssef et M. Meladji Mohamed à une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Ouais, ça va, ça va. Silence dans la salle. Silence dans la salle où je vous fais évacuer. L'audience est levée. Sérieux, tu commences vraiment à me faire chier avec les conneries. Allez, viens, viens. Ça, je sais. Maître Tassini, bonjour, c'est le site couvertglo.com. Nous aimerions avoir des informations concernant le procès qui vient de se dérouler. Comment se fait-il que l'agent de police Cédric Vincent arrive toujours à s'en sortir? Alors oui, nous sommes tous concernés par ce genre de dérive insupportable. Le citoyen se trouve tout à fait démuni face à l'intimidation policière dans notre pays et c'est un scandale. Notre institution se doit de le défendre face aux abus de pouvoir et excès de zèle en tout genre dont se permettent ce genre d'agents de police. Mais surtout, ce que nous devons dire, c'est qu'il faut dire stop, une fois pour toutes. Stop à la discrimination raciale dans notre pays, surtout celle commise par des agents assermentés qui se cachent derrière leur légitimité pour pouvoir exercer leur pouvoir en toute impunité. Justement, pensez-vous qu'on va lui retirer sa plaque? Alors oui, nous allons tout faire pour lui retirer sa plaque. D'accord, merci beaucoup pour ces informations, Maître Tassini. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. À bientôt, au revoir. Au revoir. Restez connectés sur coverglo.com, nous suivons. Voilà, donc écoutez, donc je demande le retrait immédiat de la plaque de M. Vincent pour propos racistes et abus de pouvoir. Je peux plus te couvrir, c'est moi ou c'est toi? Et moi je te choisis toi, je suis désolé. C'est ça, je viens de faire de la sécurité. Je te la rends, c'est putain de plaque. De toute façon, faites pas digne de moi, c'est comme ça. Voilà. C'est à toi de changer de comportement, Cédric. On t'a couvert, on t'a plus que couvert. N'oublie jamais une chose, c'est que jusqu'à maintenant, nous on te couvrait. Ouais. Dehors, t'es plus couvert. C'est ça. C'est à peu près 10 ans. Je ne crois pas. De toute façon, vous êtes deux truands et c'est une galère. Bon, les truands, ça y est, vous êtes libérables, hein. Non, on va pouvoir enfin essayer de pas revenir. Ouais. Tu vois, c'est de la surveillance. Tu lui diras au revoir de ma part. Je l'ai niqué. N'oublie jamais, si un de tes frères a pris une petite ou une grosse peine, ne laisse jamais ses darons s'ils font de la peine. Et si sa femme fait la peine par les cheveux, il faut que tu la traites. T'en rappelles le juge là quand on était au tribunal? Ouais. T'en rappelles? Ah, franchement, déjà, je la remercie énormément. Elle nous a pas mis beaucoup pour ce qu'on a fait. Là. Bah écoute ce qu'elle disait. C'est deux truands et c'est une galère de vous juger. Truand de la galère. Ah ouais, pardon. Truand de la galère. Mets-toi bien ça dans la tête. Je vais faire ma marque. Et pour toi, j'ai une surprise. Tu vas m'inviter au grec? Toi, pas le grec, rien. Pour toi, Morsai. Je t'offre ce prénom, Morsai. Et pour toi, c'est gratuit. Allez, vas-y. Je t'attends, vas-y. Je m'appelle comment moi? Morsai. Ok les gars. Ça me va bien ça, Morsai. Zeref, attends-moi. 96, mais le groupe truand de la galère. Ah, je vas faire quoi ce soir? Ah, ce soir, laisse tomber, je crois que je vais faire un grand sommeil.
J'ai vu un reportage, il paraît qu'en Bois-de-Boulogne, il n'y a plus de meufs là-bas. Alors, je ne vais pas y aller là-bas. J'ai envie d'y aller en Belgique, il paraît qu'il y a des belles meufs, des belles meufs. Prince en boîte. Putain. Oh les gars, matez. C'est une putain de pute, on les nique. Faut pas les couilles, on leur nique la race, en fait. Soit tu vas me sortir de prison, tu vas aller taper des gens. Arrête de me casser la tête, toi aussi. T'es relou, mon pote. Mais attends, écoute, j'étais en prison, on était en prison à cause de ces bâtards. Ils ont un keuf. Eux, si on les savait. À cause de toi, moi, j'étais en prison. À cause de toi, on a été en prison. T'es relou, mon pote. Putain, respire un peu, frère, regarde, un soleil, tu vas aller taper des gens. Mais avec toi, on peut jamais s'amuser. Vas-y, là, vas-y, laisse-moi tranquille, je bronze, là. Regarde ce qu'il a fait à la dame, c'est tu te prends où, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui, là? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Bounio? Tu veux jouer au cow-boy? Qu'est-ce qu'il y a, bande de... Hein? Je te mets quatre... T'es le meilleur de mes frères. Si j'aurais pas un frère comme toi, je serais dans la merde. Allez, viens, mon frangin. Madame, c'est bon, madame, ça va aller, madame. Ça va aller, madame. Pas de problème. Si t'as besoin de quoi que ce soit, Inch'Allah va laisser le numéro. Merci. Non, mais là, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum. Salut, merci. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec toi, Morsay, hein. Tu te vois bien, mais t'es une sale coupe, hein. Je tiens à te le dire, hein. Tu ressembles à un pecto, hein. Ah bon? Ah ouais, c'était une chose, hein. Bien sûr. Après, tu vas faire quoi, là? Moi, j'avais fait un t-shirt de coupe. C'est une petite marque, là. Frère, on se laisse ici? 6 mois, déjà, c'est beaucoup, non? Hein? Bon. Salam alaikum, Morsay. Écoute, on se voit tout à l'heure au quartier, c'est bon? Ben non, laisse-moi pas tout ça. T'es comme ça, Zarak. Toi et toi, avec des problèmes. Incroyable, ça. Mais laisse-moi pas tout ça, j'ai même pas une thune pour aller. Laisse-moi tranquille, fais ta vie. Putain, tu me laisses en chien. Putain, merde. Putain, mais reviens. Enfoiré. Voilà mon grand, c'est bon, c'est magnifique. T'as pas rasé à plomb, non? T'es un champion, beau gosse. Voilà. Beau gosse de ouf. Allez, tu me dois 6 balles maintenant. Ouais, viens de sortir de Red. Oh, le revenant. Normal. Alka, comment il va? Soit Alka, faut que je tartine. Ah ouais. 6 mois sans niquer. Enlève-moi ça, viens, installe-toi. Faut que soit gère ça. Ouais, c'est parti, mon ami. Comment ça va, toi? Ça va, ça va. Ils épaulent tout à l'heure, laisse tomber, c'est une merde. C'est quoi ce pays? Bienvenue dans la grisaille. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Ah ouais. Oui. Moi, ça me convient pas le tarif. Mais ça me convient pas, je t'ai dit 20 000 fois. Rappelle-moi plus tard. Vas-y, rappelle-moi plus tard.
Vas-y, salam alaikum, vas-y. À plus tard. Alors, il est où, Zaref? Il est sorti, l'enfoiré m'a tapé. Vous étiez ensemble? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, avec cette histoire de skill, là? Bon, parlons peu, parlons mieux. Il vaut 300 t-shirts. Envoie-moi Zaref, que je lui refasse une beauté. Ouais, lui, il est déjà beau, lui, il est sorti, lunettes, l'argent, tout. Moi, j'ai rien. Putain, j'ai la haisse. C'est la haisse totale. Oh là là. J'ai trois modèles. Mm-hmm. Premier modèle. Truand la galère en gros. Deuxième modèle, Morsaille en gros. Et le troisième modèle, Zaref en gros. Chaque modèle, sans t-shirt. C'est intéressant. Ouais. Tu fais ça pour quoi? Tout de suite, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Aïe aïe aïe. J'ai pas de Zaref, mais toi, je pourrais faire un petit peu. C'est un petit combat. C'est pas compliqué. Tu peux les faire ou tu peux pas les faire. €10 le t-shirt, ça va? Payez, payez 10€, payez. Il me les faut tout de suite. 10€ dans une demi-heure. T'es déterminé, mon gars. Toi aussi. Ça fait plaisir quand même de sortir. J'ai mangé la gamelle, hein. Ça, merci, moi. Laisse-moi me recharger 2-3 lattes, que je me fasse ma petite pause. Et on y retourne, mon ami. Ouais. C'est qui arrive là-bas? C'est pas Sofiane. Salut les gars. Bien. C'est mes prochains clients. Bonjour. Vous avez du fait, s'il vous plaît? Ouais, j'en ai pas. Pas petit peu. Tu es enculé. Connard. En plus 45, ça te dit quoi? Du bien. Sartek Moha la coupe. Sartek, votre enfoiré m'a même pas envoyé un mandat quand j'étais en prison. Ah, c'était la haze pour lui. La haze, oh my god, c'est tombé. Ouais. Désolé pour le retard, franchement. Non, mais je peux retirer déjà. Oh, ça fait une demi-plombe que j'attends. Ça va me casser les couilles sur 7 ans, non? Tire-moi les termes déjà. Tiens-moi ça. Tiens-les, prends-le. Bouge-les. Désolé, par contre, on s'est fait attaquer par une bande de mignons dans le train. Quelle bande de mignons? Combien ils étaient? Ils étaient deux. Putain, mais deux, mec! Combien ils étaient? Oh! Ça va pas, non? C'est pas un pays de bougnoul ici, c'est pas un pays de trouille! Tu fais chier un peu! Ah, mais le problème, c'est chier une tête. Ouf, la meuf! Ouf, la meuf! Même pas. Ouais, moi-même! Comment il va? Alors ce soir, tu me convoques toute l'équipe et ce mec Saïd. On va lui faire sa fête. C'est arrivé là, t'as plus de Chico? Ouais, toi par contre, tu les as mis toutes deux. Ouais, mon pote, faut serrer ça. En tout cas, ton rap, tout le monde te connaît en prison. Ouais, j'en ai tellement déchiqueté là-bas. Tout le monde me connaît. Allez, les gars, je dis la vérité. Je sais pas que je m'ennuie avec vous, mais que vous, je reste une minute de plus, on se croira en prison avec vous. Alors reste en galère sans moi, d'accord? J'ai fait déjà 6 mois, ça va? Là je vais voir s'il y a moyen de tirer une meuf. On va regarder la pêche les gars, d'accord? Allez, amuse-toi bien. Aka, merci à toi frérot. Salut Moha. Moi toi tu seras quelque chose dans ce quartier. Amuse-toi bien Moha. Allez, à qui le suivant? Une barbe, c'est une barbe, deux barbes. Allez, mets-toi à l'aise. Vas-y. Enlève ton chemisier et mets-toi bien. Par contre, c'est 10€ la barbe maintenant. Bah, commence pas à 10€ là. Tous les jours t'augmentes tes prix là, Aka. Religieuse ouais. Chocolat. Chocolat. Ah ouais, le mariage à Naïma. Alors, maman, ah, raconte. Très beau mariage, oui. T'as développé. Alors, mariage, la rosa, elle était très belle. Ah ouais, la haraka, maoulidé. Bisous, ma princesse, maman chérie. Bisous, les filles. Prenez soin de vous, d'accord? Allez, ciao. Vous laisse. Allez, maman. Comment est-ce que vous êtes maoulidé? Quoi, toi? De quoi? Mon poste de la voiture, fais pas l'innocent, t'as fait quoi? J'ai pas touché à ton poste. Ah, mais tu me racontes.
tu peux pas, arrête, tu sais très bien. Mais le quoi c'est qui t'a raconté ça? Ouais, j'envoie, des potes, moi, 5 euros. Ferme ta gueule, toi. Hey, je te jure, cousin, j'ai pas de chance. Arrête, ne jure pas, tu sais quoi? T'as de la chance, je suis en disant. Alors la liberté! Mais qu'est-ce que ça arrête, arrête de faire le malin, ne fais pas le malin. Putain, il fait 4 fois dans la voiture, il a sauté. Toi, tu tournes autour de la voiture. Gamin, frère, on va voir les tupes. Mais c'est toi, je vais voir, je connais ta tête, ta casquette. Je vais pas te faire attendre, toi, frère. Comment vas-tu? Douce, comment vas-tu? Bien. Tranquillement, ça se passe, ouais. Mais non, mais il y a bien passé. Il a sauté. Hein? Ton opération, ça s'est bien passé. Non, t'inquiète pas, tout se passe bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Quoi, tu cries? Mais non, mais c'est lui. Il m'accuse d'avoir volé son poste. C'est lui, bien sûr, j'accuse. Je le dis, je signe. J'ai pas volé son poste. C'est pas vrai. J'ai pas touché à ta voiture. J'ai pas touché à ta voiture. Moi, c'est pas un poste que je cherche. Moi, je cherche un caca qui m'invite à manger un grec. Je viens de sortir de prison. J'ai pas un franc. C'est quoi? J'ai même pas mangé moi-même. Toi, t'as de l'argent, tu m'invites? J'ai rien du tout. J'ai que dalle, mon frère. Ah, c'est la haine. Putain, même dehors, on se croit en prison. C'est un truc de fou. C'est qui vient avec moi, pétard? Quand laisse tomber, t'es cramé, hein. Toi, tu peux pas courir. Tu vas m'aider, frère, j'ai pas envie de me faire péter, laisse tomber. Viens avec moi. Vas-y. Ah, viens avec moi, comme ça, toi, tu vas porter ça quand tu es. Putain, ça m'a pensé. Wesh gros! Comment ça va? Ça va? Merde! T'inquiète pas! Ouais, là je viens de sortir de prison, là, il y a tout à l'heure. Bah ouais! Bah ouais, soit on fait un barbecue, tu viens? À la cité? Ouais, bah ouais! Toujours toi, tu viens! Vas-y, passe le bonjour à toute l'équipe! Viens là! Putain, c'est cool! Vas-y, lâche-moi! Ils nous surveillent. Putain, les bourgeois maintenant ils nous surveillent, c'est un truc de ouf. Putain, j'y crois pas. Elle a pété la bourgeoise Marseille. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, elle a pété. Vas-y, arrête. Je te jure, elle a pété. Mais vas-y, arrête ton fumet tes pétés, regarde, tu ressembles à un grand joint là, pauvre con. Vas-y, avance là. Arrête de me casser les couilles. Putain, je traîne qu'avec des mongols. Je te jure, vas-y, elle a pété. Pauvre con, va. Putain, mais vas-y, casse tous les couilles ici là. Y'a pas de pneus de voiture, cherche un pneu de voiture. Bah faudra dire au directeur qu'il mette les pneus de voiture hein, parce que j'ai une voiture qui a crevé. Police bonjour. Oui, ça serait pour vous signaler 3 voleurs sur le magasin 2D. D'accord. J'attends, je vous attends, je suis sur place. Merci beaucoup, à tout de suite. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Oui, Linda. Oui, je voulais vous dire que ces personnes-là venaient souvent avant, il y a peut-être 6 mois de ça, et elles sortaient vraiment des caddies énormes avec plein de marchandises. Bon, bah Linda, comme vous venez de le voir, je vais appeler la police. Mmh. Donc ils vont faire le nécessaire et puis je vais les attendre dans le bureau. D'accord. Merci beaucoup, Linda. Je vous en prie. Ah, on peut leur faire du chocolat. Ça va rentrer les pépitos. Les petits chocolats. Je ne traînais pas tellement ça va manquer. Mais comment tu fais tout? Mais comment tu fais tout? Tu m'as fait ça?
Si devant toi tu rencontres une équipe qui est bien cagoulée, armée de calaches, cherche pas à comprendre. Écoute ton pote si il te dit d'accélérer. La seule chose à pas faire c'est de commérer. Si tu veux pas finir dans un fourgon de mortier, à ce qui paraît dans toutes les boîtes tu te fais fouler. Prends un tarpé et vise en direction du portier. Et tu verras il sera moins le malin. Quand ces putains d'oreilles entendront des bruits siffler. Évite de trop fumer, car en cavale tu risquerais d'être essoufflé. Profite bien de tous tes week-ends. Toi-même tu sais que tous les lundis ça va soulever. Putain je suis saoulé, pour voir du sang qui fait que couler. Que ce soit entre frères ou par des fils de pute de poulet. Tu fonges ton poche, je vais toucher ton droit au cœur, les barres tous les coups. Certains frères sont accros, même en hiver ils sortent le raptor. Si t'as ce son dans ta covent, augmente les rapports. Rien à branler de tous ces clochards de rappeurs. Je contrôle tout ce que je fais depuis le début. Si t'as un doute sur la sortie, fais un deck frère. C'est à ma part des postures incorrompues. Les jalouses qui savent pas c'est comme ma tête, c'est qu'à nous voir FTV tu. Si mon album t'a touché, c'est que tous les deux on a même vécu. Cette face c'est pour les putes. Wesh, ouais, frérot, comment il va? Wesh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Putain, je viens de me faire courser par les cafards. Mec, tu viens de sortir de prison. T'as rien compris, toi. Tu continues à faire tes conneries. Vas-y, vas-y, monte, vas-y, monte, 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 monte. Oh, tu vas pas commencer à me faire la morale là, c'est bon là. Oh. Vas-y, monte, vas-y, à te parler. T'es grave toi, franchement t'es grave. Putain, ça fait du bien. T'es grave toi, franchement. Quoi, commence pas, c'est logique frérot, attends, moi j'ai fait mon argent. Et toi t'étais où là? On est fait ça, comme je t'ai dit mon frère. J'ai préparé les habits, c'est bon. Tu veux les voir ou pas? Vas-y, parce que là, je suis en fuir. Viens mon poteau. Je vais te moi, c'est quoi la qualité? T'es plutôt dans un coin parce qu'il y a les coffres. Ça va, de plus en plus de toxicomanes. Donc c'est la crise, plus d'argent, donc ils tapent tous dans le crack. Marseille, CRF, direction l'Espagne. Corbien, tu fumes un joint et rien que tu planes. Quand j'étais hey, écoute, regarde-moi ça mon gars. Regarde-moi ça mon gars. Truand de la galère. Tiens, habille-toi, ça va te changer un petit peu là. Parce que tu pues la sueur. Moi je pue la sueur. Je baisse les... C'est cadeau. Tous les racistes en... Quoi? En quoi? En brochette, mon pote. En brochette. Ouais, ouais, bon. On va faire un barbecue. Regarde celui-là. Il est pour toi, celui-là, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, poil. Oui. Y'a rien, allez monte. Passe-moi 5 euros. J'ai pas d'argent, je t'ai dit frère. Putain, t'as une belle voiture, t'as tout, passe-moi 5 euros. T'as vendu, regarde, t'as tout vendu frérot. Les gens, mon frère, tu gagnes de l'argent. Eh, me rends pas la monnaie. Me rends pas la monnaie. Me rends pas la monnaie. Regarde. Tu me les donnes sérieusement? Ouais. Va manger un sandwich et achète du déodorant. N'oublie pas le déodorant. Oh, t'inquiète pas pour moi. N'oublie pas le déodorant. T'inquiète pas pour moi. Moi, t'inquiète pas. Quand je vais avoir ma voiture, t'inquiète pas pour moi. Ouais. Moi, je vais serrer des meufs que vous n'aurez jamais. Achète un vélo. Après, tu me diras, hé, Morsay. Achète un vélo. Hé, Morsay. Moi, je me fais courser, m'attrape pas les keufs, cousin. Eh, mon gars, sûr. C'est comme ça. Attention à toi. On veut et on rêve toute une richesse sans fin. Et au final ça se termine à bicrave sur le terrain. Une seule voix nous guidera dans le bon chemin. Aujourd'hui les petits refs ils ont trop faim. Et si l'état cette grosse putain ne change rien, faut pas qu'ils s'étonnent si par eux-mêmes les petits refs ils vont chercher leur putain. Ça va, bien toi. C'est toi qui gère ici? Ouais c'est moi pourquoi. C'est qui toi qui gère? Là Moussa il est boss là, il est dans le chemin. Vous avez vu? Il est où mon pote? Putain, c'est pas à côté, vous voulez quoi? Les affaires, je suis là pour la colombienne. Ah, ok, ok, écoute, tu vas voir ça avec lui, il est en chemin. Hein? Je l'attends dans la voiture, il va arriver. Ok? Vas-y, frère. Allez, au passe. Ok.
Ouais, ouais. Ouais, je pense ça. Ça va? Bien. Tranquille. Alors, ça y est, je suis sorti de Hebs. Ouais, je peux aller de Hebs. Tranquille. Bien. Ok, les pros. Alors, ça dit quoi? On fait pas des barguettes ce soir? On fait quand? Il y a une soirée? Putain, les gars, je suis en Hebs, y'a rien. Juste hier, on a baisé les keufs, là, sa mère. Arrête, c'est. Ouais, non, on les a baisés. Qu'est-ce qui s'est passé? On passait derrière, tout. On était là en train de fumer notre baiser, tranquille et tout. Et là, ils passent, l'équipe à Pac-Man, là, ils passent et tout, ils nous matraquent et tout. Fils de pute, on les a baisés, cocktail, gars. Bon, là, ça m'a fait, c'est fait niquer par tout le quartier, il n'y a pas compris ici, là. Bon, les frérots, prenez soin de vous. Merci de nous avoir vus encore. Passez le bonjour à vos grands frères, les gars, d'accord? Vas-y, Marcel. Allez, vas-y, à bientôt. Hé, oubliez pas, faites un barbecue, amis, invitez-moi, là. T'inquiète, aïe. Wesh Marseille! Comment il va ça? D'accord! Ouais, c'est bien bien sûr! Ça sent les gamous, ça y est! Ouais, c'était bien pour toi! Ça se passe! Dans le quartier, y'a rien ce soir! Ouais, rien! Par un barbecue, putain, je vais te sortir à 4! Bah vas-y, passe! Vas-y, je vais te mettre un détail, vas-y! Vas-y, à tout à l'heure! Qu'est-ce qui se passe? Bout de temps, papa! Ok les frères, yeah, comment ça va? Moursaï, ça va? Alhamdoulilah, et toi la veste? Alhamdoulilah. Salut frère, ça va? Bien? Easy. Tranquille? Yeah. Alors, la veste? Qui est sorti? Ah ya, ça y est, c'est la liberté. Alhamdoulilah. Dis-moi, quand on était au Hebs, tu as t'avais bizarre, vous êtes là, voilà. شوف راهي كلش راه واجد عندنا كلش كومبليت تما خصنا غير نديرو لي زافير دروك بارفي جي بزوان توا ولا شكون هذاك هذا صاحبي جاي من نيويورك ديس مور سايز نت فراي ويتو ديس بون اوس براك اي ذا جاي يو وير توكين اباوت رايت اي سكول مان اي جاي ويتو سامك دو كونفيرسيون سي بون اوكي اوكي اي ايزي نيويورك يس مي بوش Fuck Bush, nigga. Fuck Bush. Fuck the Bah en tout cas là on va y aller dans mon quartier, on est juste à côté là. Ok, on va jeter une. C'est parfait. Okay. On y va voir le gars, comme ça je te dis combien je prends de kilos, ok? Ok, c'est bon. Saha, merci d'être venu. Morsai, allez. I got you, man. I got you, son. Ok, je comprends pas l'anglais, mais Marley, c'est pas grave. Yes. Thank you. Allez, yes. Let's go. Comment tu vas? Ça va Marseille? Ouais, je vais récupérer mes médailles. Bon, je vais t'expliquer. Dans deux minutes, je vais te présenter une équipe. Ça va? Ça va? C'est l'équipe de Belgique. Ok, ça va. C'est étonnant. Voilà. Je n'ai pas te présenter. Des Brésiliens qui sont venus exprès pour te voir. Ils ont du produit pour toi. Pourquoi tu veux me présenter des Brésiliens? Je t'ai dit, je t'ai ramené une équipe. Laisse-moi parler. Je t'ai dit que je t'ai ramené une équipe qui ramène du béto de l'Hollande, la meilleure cam que tu peux avoir. Tu commences pas à me saouler. Déjà, tu me dois assez d'argent comme ça. On va pas perdre notre temps. J'ai les crocs, tu crois qu'ils viennent pour rien? Écoute, moi je vais te dire un truc, laisse tomber tes plans. J'ai mieux appris ce que tu as proposé. D'accord, c'est bon. Il y a autant de cocaïne, pas. Mais il y a des boys qui viennent, mais il y a des gens qui viennent, ils m'ont suivi. Je sais que c'est un mec de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai fait le voyage de Rio, mon pote. On est là avec mon collègue. C'est des mecs sérieux. Tu vois, tu sais très bien que je suis pas la coque. Tu racontes quoi? Si, ils sont passés. T'étais en prison, ça a changé. L'époque elle a changé. C'est la coque qui marche maintenant. Là, je t'ai ramené des amis à moi. Explique-lui. Dat is vriend. Wij zijn hier gekomen voor Witty. Je weet toch? En niet voor Witty bedoel ik, maar gewoon voor zware assie. Dus als je iets anders voor ons hebt, hebben wij geen business met hem te doen of niet soms. We zijn sign up for this shit, man. Kom op, Marseille, c'est peut-être des bons tarots qui te proposent. Straight up. C'est pas ce qui marche. Non, Marseille, reste dans le bédo. C'est mieux. Ça, c'est les frérots. Ça, c'est les frérots, ceux qui contrôlent le quartier de. Écoute, je vais te dire un truc. Ici, c'est chez nous, là. Mais attends. Nous, ici, on bicrape. Et je vais te dire un truc. Ici, nous. Laisse-moi parler. Tu me dois de l'argent. Ouais, je te dois de l'argent. Moi, je t'explique un truc. Moi j'ai ramené le meilleur bédo. Tu veux faire de la coque? Moi je veux pas faire de la coque. Ça va être clair. Tu vas me prendre mon oseille. Et en plus de ça, je finis. On va parler ensemble. Viens avec moi toi. Je crois que t'as pas compris toi. Les boys d'Agromac Fatou. Moi je vends du stupéfiant, je vends pas de coque, t'as compris? Mets-toi dans ton petit crâne là. Moi je t'explique un truc maintenant. Tu vas pas me casser couilles. Moi j'ai fait 6 mois, ça y est, j'en ai marre. On fait du stupéfiant, je t'ai ramené les meilleurs shit de l'Espagne, de Maroc,
Maintenant, on va travailler, ok? Voilà. Le problème qu'il y a avec toi, mon sac, c'est que t'as rien compris. Et tu comprends toujours rien. Ça fait 6 mois que t'es en prison, t'as pas compris ce qui s'est passé dehors. Le shit, depuis 6 mois, ils ont changé de ministère de l'Intérieur. Le shit, il passe plus par l'Espagne. Il passe plus tout le péage de Viriatou au péage espagnol. Il est bloqué, ils ont mis des camions. Ils contrôlent tous les camions, les voitures et tout. Ils voient tout. Je t'explique un truc, c'est ce qui se passe maintenant. La coke, c'est ce qui marche maintenant. Les gens, ils veulent de la coke, Marseille. C'est ça que tu comprends pas, au jour d'aujourd'hui. Tu comprends ce que je vais dire? Tu es en train de m'énerver. Moi, je t'ai dit que je m'en bats les couilles de ta drogue. Salut, Franck. Ça va? Bien, ça va? Ok, les doigts. Ça se passe. M'énerve souvent. Alors, t'as rien. Non, il doit y avoir encore de l'argent et en plus, il veut nous mettre dans des galères de vente de coffre. Ça, on va le régler, t'inquiète pas. Écoute-moi maintenant. Moi, je t'ai dit, on arrête tes conneries. Tu ne peux pas vendre de drogue. C'est moi le patron ici, t'as compris? Maintenant, je te dis, je te répète encore une dernière fois. Hey, what up, bro? Why you not beat him? Mokro Hachad, you ain't selling Netherlands and shit. Qui est-ce? Je suis à qui pour mon sang, Hafta? Si você não tem cocaína, sai daqui. Tá ligado? Yeah, hey, yo, so fuck that coke talk shit, man. I can care less about your business, man. Yo, hey. Fudge. Yo, tell him what's up. Que isso? Lá vem ele com cocaína. Você pode ver, mano. Você que fala francês, mano. Deixa o money está aquele money. Na boca tem ele não, playboy. Tu te prends pour qui, là? Tu veux m'énerver ou quoi? C'est quoi ton délire, là? Alors maintenant, tu m'écoutes et tu fermes ta bouche. Si t'es pas content, tu dégages. Ok? Ok? Ouais, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas, c'est toi qui je m'inquiète de toi. Tu pars en couille, mon pote. Mais ouais, mais regarde, à t'écouter, regarde, dans des barrettes, là, ce que j'ai dans les poches. Parce que tu sais pas. Ils ont quoi? Regarde, ils ont quoi? Tu fumes à moitié des barrettes, enculé, va. Les mecs, tu crois qu'ils me disent pas, les mecs que tu bicraves? Tu leur prends des barrettes de 20 euros à 10 euros? Tu prends pour les gens, tu les prends pour des cons? Rien que toute ta journée avec tes potes, là, vous cravez même pas. C'est normal, t'as pas d'argent dans ta tête. Regarde, tu ressembles à un bédo de la tête aux pieds. Je te coupe un bras, c'est 2 kilos de shit qui tombent. Je te coupe la tête, ça y est, je suis riche. Tout ton corps, c'est 350 kilos. Tu pèses plus de shit dans le corps que de cervelle. Mais pauvre con. T'inquiète pas. Hey, serre-toi de ta cervelle un peu, merde. T'inquiète pas que si je pesais encore, bah, j'aurais de l'argent dans les poches. Avec ta mobilette, là, allez, vas-y, moi, je me parle. Alors, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Maintenant, je parle une dernière fois. C'est la dernière fois que je te parle. T'as compris? Tu piqueras pour moi, c'est moi le patron. Tu vas me rendre mon argent et tu vas piquer encore du shit. Et si tu veux pas piquer du shit, tu vas vendre des colons à ED. Allez, casse-toi. Tu l'es là. Rien compris à la bise, mec. Connard. Putain, mais dans une carrière bizarre. Ouais, t'inquiète pas. Voilà, tu veux vendre de la blanche. Je vais tuer des gens, ce coup. T'as rien compris, mon sac, putain de merde. T'as rien compris. Ferme ta gueule et rends mon argent, connard. Avant que je t'envoie les petits qui te défoncent. Il a l'air insolite pour ce qu'on va rappeler. Mais il sert à rien, ce con. Putain, il m'énerve. Il me rend fou tous ici. Je jure, je préfère bicrave des strings pour pute que vendre la chenou. Ah ouais, frère, t'as tout dit. Voilà. Et frère, on y va? Excuse-moi la miss, ça va? Tu vas où? Tu veux que je te dépose? Vas-y, monte. Oh, stay, stay! What? Vas-y, fais-moi deux sandwichs, la famille! Non, non! Comment ça, mon rêve arrive là? Donne-moi deux sandwichs là! C'est 1 euro! Comment ça, 1 euro? Galère la ceinture! Ah, c'est obligatoire! Tu fais monter dans ta voiture alors que t'as plus permis. Qu'est-ce que t'as envie? T'es pas contente? Bah, tu si. Tu veux manger un pied? Bah, écoute, jusqu'à maintenant. Et tu fais quoi dans la vie? Je t'ai dit, je suis assistante commerciale. Et toi? Moi, je travaille. Je travaille pas, je touche le RMI. RMI, enfin, en époque, hein. RSA maintenant. Mmh. C'est la cote. Hein. Mais en fait, compte, j'ai un deuxième boulot. Je travaille avec le Secours Populaire. Tu t'occupes des gens? Ah ouais, je m'occupe des gens, ouais, je les raccompagne chez eux. Ah bah au moins ça occupe des journées. C'est mieux que rien.
Excusez-moi s'il vous plaît, la gare vous savez où elle est? C'est vers où? Vous voulez que je vous dépose? Vous voulez que je vous dépose quelque part? Ok. Ils ont peur ou quoi ici? Tu vas t'arrêter à toutes les meufs et tu vas demander où est-ce qu'il y a la gare? Attends, je connais personne, la seule personne que je connais c'est toi. Bref, c'est où je te dépose ta vidéo alors? Je sais pas là, juste là-bas. Nique ta mère, vas-y avance fils de. Bon, salut hein. Ouais. Je peux prendre ton numéro de téléphone? Ouais, y'a pas de soucis. Comme ça, je t'invite à boire un verre. Merci quand même. Ouais, ça va? Tu vas bien? Ouais. Et toi, ça se passe? Du coup, je t'ai ramené le produit comme on a eu au téléphone. Ok, ouais, bien. Je te montre ça? Ouais, bien. Ouais, il y en a 100 dans le carton. Ok, ouais. Alors, ouais, truant de la galère. Ah ouais, je kiffe le nouveau concept. Cool, bien, si quoi. Tu m'aimes pas, va niquer ta mère. Ça en Suisse, les jeunes ils vont kiffer. Ah bah ça fait plaisir. Boutique, tu vois, David, quand je fais Street Streetler, tu vois, à Genève, qui sont de la terrassière. Je vais peut-être même les ramener au magasin de disques aussi. Ah, t'as deux boutiques? Ouais, j'ai deux boutiques, ouais. J'en ai une de disques, tu vois, pour la résistance, en rue de 3 rue Terreau du Temps. Et j'ai la boutique d'Abby, t'as vu, on vend les marques. Franchement, ça me fait plaisir. Bien, ah, ça me fait plaisir, t'as deux boutiques. Bon, écoute, il y a 100 pièces dedans. Parfait. Et puis comme je t'ai dit au téléphone le prix et puis voilà. Et puis, si t'en as besoin encore des modems, maintenant ça t'appartient. Ouais. Si t'as besoin d'encore d'autres modems, tu m'appelles. Y'a le compte, c'est bon? Ouais, y a le compte. Moi je compte toujours. Hein. Ouais ouais, normal, mais t'as pas mis, c'est normal. Très bien. Parfait. Les bons comptes font les bons amis. Toujours. A plus tard, c'est JD. À bientôt. JD, ouais. Au plaisir, JD. Enchanté. Et puis appelle-moi dès que t'as besoin. Pas de soucis, dès que j'ai tout. À bientôt. Pas ta parole, JD. Avec des merguez pourris. Eh, on a un euro les frères. Hey Mora, j'ai bien mangé, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. T'es chez la glace, ils ont foutu gentil de la mèche. Allez, dis-moi. Eh, tout à l'heure, on passe, t'as vu la petite petite là, genre, tu fais chez moi. Ouais. Tu passes me voir, tu te traduis sur toi et moi. Moi, c'est chez la glace, je vais arrêter de fumer. Elle est obligée de venir faire du cinéma devant nous. Passe avec Titou, viens avec Titou. Tu verras, ok la famille. Vas-y, on se casse. Vas-y, prends deux schlags. C'est des petites qui baissent de 14 ans. Je laisse deux schlags. Je vais venir voir ça tout à l'heure. Tito, tu viens avec moi? Vas-y les gars. Hey, je vais venir avec Tito, on va voir si c'est vrai. Tout le monde. Moi je me casse. Hey, t'as pas le temps, j'arrive à après. Ouais, y'a pas de problème, je serai pas là, pareil. Ouais, tout, t'inquiète bien. Ouais, il manque plus qu'une gabarde, il est un berger allemand. Eh, tu vas même pas dire merci pour la course produite, j'ai sauvé la vie. Ouais, 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 tu vas tomber malade. Toi, tu fais chier avec un euro toi. Tout le temps tu parles d'un euro, tout le temps tu parles d'un euro, tu fais quoi d'un euro? Allez, dégage. Viens, viens, viens. Dernier joueur façon. Chicharito, j'ai dit. Petit là, il est dangereux. Un jour, j'ai dit, on est en train de jouer.
Pendant une journée sur le terrain, tout ça. Maintenant, moi, tu connais. Moi, tu connais. Dernier joueur. Tu me connais. Maintenant, on me dit, ouais, il y a un petit là, Steven, il est sale. Mais quand on dit il est sale, il est sale. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Regarde. Pied droit, pied gauche. Maintenant, on est là, on est sur le terrain. On est sur le terrain, on joue tout ça. Je dis au petit, prends-moi un passement de jambe. Moi, tu sais, j'ai un grillage. Tu me connais, impossible de me passer. Pop, pop. Je le vois pas. Boum, petit pont. Je dis ça et ta gueule. Aïe. Moi je me casse. Déjà, prenez soin de vous. Allez, moi. Je m'en vais avec personne pour mettre dans. Hé, je vais chez Pompidou, je vous dirai ça si c'est vrai qu'il y a des meufs ou pas. Pour toi, c'est un mytho, tu vas dans un bar. Tu vas à Marseille. Les meufs qui sont chez Pompidou, elles sont décongelées. Ça fait 6 mois que je suis en reste. Ça fait 2 jours que je suis sorti. Mais frère, la dernière fois que je l'ai vu avec une meuf, c'était en 93. Il était avec Tenchina dans la banane. Alors tu me diras ce que t'as mis là-bas, mais... Allez frérot, merci pour le pied. A tout à l'heure les frères. Bonjour à ton refrain. Ok, ok. Allez frère. Eh bien maintenant, on va voir des... La Thaïlande. Phuket. La dernière fois, ça y est, il arrive. Ouais. C'est juste bête, il est pas avec son pote du train là. Ah. Il est baisé, tout le monde. Ah, ça. Tu m'as baisé dans le train la dernière fois. Hein? Hein? On va vous baiser maintenant. Ah ouais, mais t'as vu ce que t'as fait à la daronne? T'es pas un bonhomme, tu viens avec tous tes potes. Moi, je suis avec mon pote. Lui, il a rien à voir. Vous laissez partir et vous réglez mon compte avec moi. On va vous baiser tous les deux. Toi et ce putain de traître qui travaille avec les bougnoules. Il a rien à voir. Ouais, mais on va vous enculer tous les deux quand même. Sans tête de lui! Arrêtez! T'as ramené ton flingue, toi! Vas-y, amuse-toi avec le bouillou! Alors, petit bouillou! Voilà maintenant, ça fait quoi? Je vais te buter! Mais avant, je vais me lécher les pieds! Ah ouais! Ah, vas-y, on embrasse les deux! Oh, tu les hein! À terre! Viens là, Sarah! À terre, Sarah! Bande de pute! Vous jouez moi les malins maintenant, hein! Hein? Tout ça, t'as pas d'enculé! Arrête la pute! Hein? Faut t'enculer! Ah, viens là, toi, gros pas! Hein? Vous jouez moi les malins! Vous jouez moi les malins! Comment tu les... Putain, enculé, va! Bougez-moi les malins! Vas-y! Et toi? Ah! Mort, c'est qui me débourseille? C'est qui me débourseille? Mort, t'enculé! Qui me débourseille? Mort, tout ça, ce qui te merde! Assieds-toi, gros porc! Gros lard, lève-toi! J'ai fait la misère, toi, gros porc! Lève ta race là! Lève-toi de là, ta race! Lève-toi de là, ta race, je t'ai dit! Lève-toi! Gros sac à merde! Lève-toi! Lève-toi! Cours! Cours! Dis les arabes, c'est les meilleurs! Sur une chambre, cours! Cours! Tu dis les arabes, c'est les meilleurs! Les arabes, c'est les meilleurs! Cours! S'il te plaît! À terre, bande d'enculé! Je vais m'occuper de vous, tout ça part, bande de pute! Hein? Cours, gros pas! Cours! Vous enculez, vous rassurez! Faut pas de titre! Lève-toi! Ça va mieux, gros! Allez, chute avec moi, passe-moi le casier! On en prend un, c'est qui ce fils de pute? C'est qui m'a vu braquer? Il est où? C'est celui-là! C'est celui-là derrière moi! Passe-moi celui-là, passe-moi celui-là. Vous allez voir. Viens là, toi, à terre, à terre. À terre. Tu joues moi, non? Et toi, gros porc, merde. Allez, courez, bande de fils de pute, maman. Courez. Courez, bande d'enculé. Laisse-le voir celui-là. Pas d'enculé. Pas de fils de pute. Allez, viens, on va. Ah ben non, allez, moi celui-là. Viens là. Viens là, Tarak. Viens là, Tarak. Tiens-le là. À terre, à terre. À terre. Tu vas ramener la voiture, on va l'écraser. Tiens-le moi. C'est quoi? Je vais écraser ta gueule. Ta gueule. Je vais l'écraser avec ma voiture.
Et sur la vie de ma mère, tu vas retrouver toute ta vie. Tu vas m'avoir braqué, fils de pute. Tais-toi, ta rage. Amène la réponse. Tu la ramènes pas la carte. Tu vas mourir pas la carte, espèce d'enculé. Fatigué, Zef. Merci, Tank. Ça a foutu quoi aujourd'hui? Ah, je suis mort. Aujourd'hui, la journée, elle était dure. Oh, laisse tomber. Ouais. T'as vu ce qu'on a fait tout à l'heure? Regarde la gueule, la somme qu'on a fait. Tank, tu vas voir, fils de pute. Hein? Tu viens d'où t'y péder alors? Ah, tu joues moins le malin maintenant, hein? Hein? Alors? Oh là là, j'ai du mal à les sortir. T'es dans ma gueule. Doucement, doucement, doucement. Aïe, 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 aïe. Doucement. Tu sais quoi? Ouais. Un Belge. J'ai vendu un Belge. Un Suisse. J'ai même vendu un Canadien, ma gueule. Il a une boutique là-bas au Canada. T'es sérieux? Vous êtes connu aux États-Unis. T'es au courant, ça? Et laisse tomber, ils m'ont tous pris en gros. Et vont revenir la semaine d'après. Pour m'en récupérer encore. Truc de ouf. Oh là là, va doucement. Va doucement, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet tout ça. Faut que je range tout ça là, c'est le tempo. Espèce de fils de pute. Un terrasse. Viens là, terrasse. Viens là, regarde-moi dans les yeux. C'est qui ton patron là? C'est qui ton boss? Pourquoi vous êtes venu derrière moi? Comment vous savez que j'habite là-bas? Comment vous m'avez suivi? Réponds-moi, Taras. Réponds-moi, Taras. Viens-moi, Taras. Réponds-moi, je t'ai dit. Au fait, ouais, qu'est-ce qu'il y a, gros? T'as vu ton frère sur le mec du quartier là, t'as l'air. Pourquoi? T'es pas au courant? Non. J'ai entendu dire ils vendent la cesse. T'es sérieux ce que tu me dis? Non, je suis sérieux. Ils vont pas cesse. Non, je suis sérieux. Putain. Celui-là, il va finir mal, celui-là, si ça continue. Moi, je te le dis, moi. Celui-là, il va finir mal, si ça continue. Après, moi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, tu vois. Moi, j'ai entendu dire. Je préfère te le dire. C'est mieux. Pauvre con. Déjà, il m'a envoyé au placard 6 mois. À cause de lui, j'ai fait 6 mois. De merde. Ça a niqué toute mon industrie. Non, mais je préfère te le dire, tu vois. Celui-là, il va voir demain quand je vais le croiser. Demain, je vais aller le croiser dans le quartier, t'inquiète pas. Je sais avec qui il marche, avec qui il traîne. Je vais tous les baffer, ces petits cons. Comment t'as su que j'habitais là, moi? Hein? Sors-moi tes papiers, s'il te plaît. Sors-moi tes papiers, s'il te plaît. Sors-moi tes papiers, s'il te plaît. Tu vas voir ça. Si il bouge, tu le baisses. Si tu peux pas, tu le baisses. Hein? Ah, t'en reste plus. Tu vas voir. En plus, vous avez de l'argent, mon Dieu, vous avez plus. Vous avez de la thune. Hein? C'est quoi cette carte? Pourquoi cette carte? C'est quoi? Ça va être intéressant. Tu veux un coup de main pour ranger? Touche à rien, c'est tout ce que je te demande. Sers-moi encore un petit peu de thé. Regarde-moi bien, monsieur. Dis bien à ton patron, s'il m'arrive encore une galère, t'as la parole, putain. Te nique ta race, t'as compris? Est-ce que c'est bien clair? S'il m'arrive encore un truc, regarde-moi, s'il m'arrive encore un truc, je te jure, vous allez tous crever. Regarde-moi dans les yeux, sur la vie de ma mère, je vous baisse tous. Ça, c'est pourquoi ça? Ah ouais, excuse-moi, ça c'est l'argent. Non, j'ai déjà donné 100 €, sois pas gourmand. Fais pas comme mon frère Morsay. Commencez pas tous à me casser les couilles dans le quartier, là. Et vous avez un peu d'argent et vous pétez tous ces cons. Ça, faut qu'on voie pour lui, hein. Faut que tu voyes, hein. Tu
Tu vois, comme ça s'est réglé le plus rapidement possible, tu vois. Bon, écoute, il est quelle heure là? On fait une petite virée ou pas? On bouge là? Vas-y, viens, je bouge pas, on va rester là toute la soirée. Ouais. Vas-y, je vais prendre ma veste, on y va. Vas-y, on y va. Prends ton téléphone, baby. Tu crois que l'argent? Oh, je vais la cacher. On va pas laisser ici. Tu peux sortir, ça me dérange pas. Ouais, pas de problème. Tout baisse. Je lui en ai baisé sans viande, que des patates. Et quand il m'a mis le calibrage, c'est fils de pute. Il m'a dit ouais, tu vas manger les pieds, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a sorti. J'ai dit ah ouais. On m'a dit ah, j'ai fait bam, j'ai repris le calibre, bim, bam, boum. Tous au cou, que des putes. Franchement, t'aurais été là, on les aurait tous niqué leur mère. Mais comme on les a bien baisés. Grave, hein. On les a grave baisé ces bâtards de skin. Putain. Thomas, j'étais pas là. Ah ouais. Putain, je serais que... Putain, hey. Morsaï, tu sais bien.